Le denti fait partie de ces poissons emblématiques tant convoités parce qu'il consacre l'expérience du chasseur à la fois sur le plan technique et physique. Nous avons voulu en savoir un peu plus avec ceux qui le connaissent le mieux, les chasseurs sous-marins. Ces hommes qui passent des heures sous l'eau en apnée jusqu'à des profondeurs incroyables pour quelques-uns. Ils observent les poissons, analysent leur comportement, leur mode de vie, dans un seul but, déjouer leur méfiance pour les attirer au plus près et, suprême récompense de leurs efforts, pouvoir les prendre. Quel magnifique prédateur, sans conteste, l'un des plus beaux poissons de Méditerranée. Quelle noblesse dans sa livrée rosée aux reflets d'argent, ponctuée d'écailles bleutées. Sa forme oblongue, son front audacieux, sa gueule de dur, armée de canines redoutables, et son regard perçant ne laisse planer aucun doute sur ses intentions et sa place de dominant dans la chaîne alimentaire. Pour comprendre les raisons de cette fascination, nous sommes partis à la rencontre de trois chasseurs de denti qui vont nous offrir le spectacle de leur chasse. Pendant plusieurs années, ils ont filmé avec leur petite caméra embarquée les plus belles séquences d'approche et de tir. Aujourd'hui, ils reviennent sur ces souvenirs pour nous faire part de leur expérience d'une des chasses les plus difficiles et des plus exigeantes de Méditerranée, celle du denti. Jean-Baptiste Savornin, dit Bibou, est un ancien membre de l'équipe de France de natation qui a mis ses qualités aquatiques dans la chasse sous-marine. Particularité, la mer dans la peau. Son arme, un fusil pneumatique gonflé à bloc. Son terrain de chasse, la côte baignant le massif de l'Estérel dans le Var. Bastien Egelin, dit Rouget, a commencé par la pêche à la ligne avant de troquer sa canne pour un fusil sous-marin. Membre actif de la Fédération Chasse Sous-Marine Passion. Particularité, aime la chasse en eau trouble au bord, au petit matin. Son arme, une arbalète classique simple sans dos. Son terrain de chasse, du Cap d'Antibes aux îles de Lérins. Michael Benchortan, dit Mika, affectionne les longs agachons dans les eaux claires et profondes avant le coucher du soleil. Particularité, toujours en quête du poisson trophée. Son arme, un roller gun full carbone survitaminé. Son terrain de chasse, de la Côte d'Azur à la Corse. La chasse sous-marine, c'est venu après plus ou moins ma carrière de sportif nageur. J'ai naturellement continué à aller dans l'eau et j'ai commencé à voir des poissons. Et là, je me suis découvert une passion. J'ai eu envie de me mettre à pêcher et d'attraper du poisson pour le manger. Il ne faut pas croire qu'on achète un fusil, on va pouvoir prendre tout ce qui traîne. C'est dur, on n'est pas dans notre élément. Il faut apprendre à se cacher, il faut apprendre... la mer, tout simplement, les courants, les conditions météo. Et tout ça fait la difficulté. Et ça qui est intéressant. L'équipement du chasseur se compose d'un masque, d'un tuba, d'un couteau et d'une combinaison en néoprène dont on choisit l'épaisseur en fonction de la température de l'eau. Le chasseur compensera en portant une ceinture de plomb qui va l'aider à vaincre la poussée d'Archimède lors de son immersion. Avec les longues palmes en carbone à haut rendement, les déplacements verticaux seront plus confortables pour aller tutoyer les profondeurs. La bouée de surface le signalera aux autres usagers de la mer, elle est obligatoire et vitale pour sa sécurité. Enfin, l'arbalète à 100 dos ou le fusil à air comprimé, armé à la seule force des bras, propulsera une flèche de 6 à 8 mm de diamètre avec force et précision jusqu'à 5 mètres maximum. Nous sommes prêts pour une première coulée en apnée avec Jean-Baptiste, qui commente pour nous cette première séquence d'agachon au denti en direct. L'agachon est la technique d'affût du chasseur sous-marin. Je me fais une coulée sur un spot que je connais bien. Je ne vais pas avoir 36 chances de pouvoir faire un poisson ce matin. «
pas beaucoup de vie. Je me pose à un endroit où devant moi, il y a une petite patate de madrépore ou une petite touffe d'algues. Voilà, j'essaye de me positionner comme il faut et d'être le plus discret possible. Donc la descente prend à peu près 40 secondes parce que je me laisse aller bien tranquillement. Je me suis aperçu que je viens de percer la couche d'eau froide, donc je suis vraiment à la limite de la thermo. Je regarde un petit peu à droite, à gauche. Je vois pas grand-chose, quelques castagnoles, mais il n'y a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vie. Voilà, je patiente un petit peu. Ça va faire une minute, 15, maintenant que je suis au fond. Toujours rien, je regarde à droite, à gauche. Ah, ça y est, je vois quelque chose. Tac, je descends un petit peu, je me planque derrière cette petite touffe d'algues et je vois le dindi qui se profile. Et là, je m'aperçois qu'il commence à monter, comme pour me juger. Il veut savoir qui je suis. Alors, il se lève, sauf que il est à portée maintenant. Donc, j'attends le moment où il se met de profil. Tac, voilà, j'assure le tir. Bon, je sais qu'il est bien tiré, il va se débattre. Normalement, il n'y a pas de raison que je le perde. Voilà, je remonte tranquillement. Voilà, ça fait peut-être grosso modo 2 minutes. Voilà, je défais un peu le moulinet, je laisse filer. Je le sens, hein, là, au fusil, qu'il n'est pas pris dans le madrépore, donc je peux le relever un petit peu. Il se débat même plus, là. Et là, je palme vers la surface. Voilà, ça y est. Je regarde à droite, à gauche, je vois pas de bateau. Voilà, l'affaire est faite. Donc là, je vais resserrer le moulinet, et puis je vais le travailler à la main, je vais le récupérer. Voilà, je commence à le prendre. Je vais le ramener à moi, c'est un poisson qui doit faire dans les 3 kilos. L'eau est assez claire ce matin, je fais une coulée, c'est un coin que je connais vraiment très très bien. Je franchis la thermo vraiment 1,50 m au-dessus du fond. Et là, je me positionne à un endroit où je sais, bon déjà c'est un endroit propice, hein, j'en ai déjà fait plusieurs à cet endroit. Et j'essaie de me caler derrière, pareil, une touffe d'algues ou une touffe de... une patate de madrépore, voilà. J'essaie d'être un peu en retrait. Il faut surtout pas que s'il y a un denti dans le coin, il puisse me voir de suite. Je préfère qu'il ait un peu la curiosité d'approcher, sinon ça va être compliqué. Là, je regarde à droite, à gauche. Ça a l'air assez calme. Quelques castagnoles, je vois pas trop de vie. Bon, là, c'est vrai, je regarde un peu. Il n'y a pas de courant, donc je me dis, est-ce que ça va venir de droite, de gauche? Et voilà. Hop, là, je me planque. Je vois la silhouette qui arrive. Ça fait une minute que je suis au fond. Il tourne. Ah, je le prends bien, mais très bas. Je vois que je tire bas. Donc, le moulinet est ouvert et je laisse filer, quoi. Comme l'eau est claire, je vois qu'il se débat. Mais bon, il a l'air d'être calé ou dans du madrépore ou dans de la posidonie. Je me dis, c'est bon, ça devrait tenir. Je ne veux pas le tirer dessus parce que, à mon avis, si, vu comme j'ai tiré bas, je vais le perdre. Donc, je remonte en laissant filer le moulinet. Voilà, je ne mets pas la pression, surtout pas le perdre. Un beau poisson comme ça, je pense que c'est un poisson qui devrait faire dans les 6 kilos. Le denti était bien coincé, je le sentais. Donc, bon, j'ai laissé la tension du fil avec la bouée et le fusil en haut. Et là, je descends sur lui. Donc, quand je le vois, est-ce qu'il est mort? Non, je pense pas. Et quand j'essaie de l'attraper, il se débat. Je vois qu'il est tiré très bas au niveau du ventre. Donc il faut absolument que je puisse le bloquer le plus rapidement possible. Voilà, une fois que je l'ai attrapé par la queue, je mets la main dans les ouïes. Et là, j'essaie de me décoller. Il a tout emmêlé, des rhizomes de posidonie. Enfin bon, je me mets debout, je tire comme un malade. Et voilà, ça y est, je décolle. Donc une fois qu'on a la main dans les ouïes, ça y est, c'est fait. Hein, et on ne pourra plus le lâcher. J'essaie de me dégager de toute cette pelote. Et je remonte. Il y a quand même 24 mètres, donc il ne faut pas trop traîner, ni trop forcer. Donc voilà. Voilà un peu la surface, impeccable. Alors, c'est un beau poisson, je le sens, je vois qu'il se débat, il est encore en pleine forme. Et le but, c'est de remonter le plus tôt possible, hein, parce que avec l'effort et un peu la pression, voilà. Ouais, je suis un peu loin du bateau, mais j'ai la bouée avec moi, donc je suis pas trop inquiété par le trafic. Enfin, je récupère un peu. Ouais, je sais que la prise est belle, hein, je vais pouvoir l'achever avec mon couteau. C'est mon plus gros, celui-là, il faisait 6 kilos. Quand j'ai fait un poisson comme ça, pour moi, la pêche est faite. Même si je l'ai fait dans la première heure, je sais que je peux rentrer tranquille. J'ai jamais pris de plus de 10 dentis dans une année.
L'année passée, j'ai pris 7 poissons, mais sur 150 sorties. C'est une pêche difficile. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois, on ramène quelque chose. Les zones où on rencontre le denti, donc ici, à Gué, c'est principalement de l'île des Vieilles jusqu'à l'île d'Or. Il suffit de regarder comment est la falaise. On s'imagine que le prolongement sous-marin est le même. C'est très abrupt, c'est quand même un petit peu volcanique. Donc il y a des remontées rocheuses et les dentis gravitent là. C'est vrai que c'est un des rares endroits qui est assez sauvage au niveau du 06 quasiment. Hein. Entre Nice et, je dirais, Cannes, voire Juan, c'est un peu le seul endroit où tu as de l'enrochement. Il y a assez peu de constructions sur le bord de mer, donc c'est vrai que c'est un endroit qui est assez sympathique. Quoi. Donc la zone du Cap, on va dire, elle commence par la Grenille. Donc juste après les plages de la Salisse, il y a la Petite et la Grande Grenille. Et en fait, ça finit de l'autre côté du Cap, à l'ouest, au niveau de, on va dire, de la Pointe de l'Islette, de l'hôtel de l'Eden Rock, voilà. C'est une zone qui est intéressante. On a quelques endroits où il y a des plateaux où on peut les pêcher dans relativement peu d'eau, je dirais entre 7, 8 et 10, 12 mètres. Il y a du relief, il y a des changements, il y a quelques tombants. Donc c'est une zone qui est assez intéressante. Il y a peu de fond sablonneux, beaucoup de posidonie. Donc je dirais que c'est une zone voilà, où on peut pêcher le denti au plus près entre 5 et 6 mètres de fond. Et après, pour les chasseurs qui sont plus profonds, ils peuvent en trouver jusqu'à 20, 25, 30 mètres. Donc là, on est au mois de février, début février. Donc là, c'est habituellement un moment qui est plus propice à la pêche du loup, de la pêche dans peu d'eau qui se pratique dans l'eau froide. Là, je suis sur un plateau de posidonie, on va dire qu'il y a une douzaine de mètres. Donc j'ai la chance de croiser un joli denti qui reste assez distant au début, donc on peut le voir, voilà, il prend vraiment son temps pour venir. Je fais vraiment deux tout petits appels pour le décider. Donc là, il reste un bon moment devant le fusil, il est à 5-6 mètres, mais j'attends qu'il vienne encore un petit mètre de plus, voilà, pour pouvoir déclencher le tir. Donc c'est toujours le même comportement, c'est un poisson d'hiver. Il vient une fois, on voit, il vient doucement, il vient observer le chasseur. Et là, je dirais que c'est un poisson qui réagit assez rapidement. Si tu fais le mauvais geste, il va partir et tu le revois plus. Voilà. Premier poisson de l'année. Moi, je pêche principalement, je dirais, entre 5-6 mètres et jusqu'à une quinzaine de mètres, 17-18 au plus profond. Maintenant, pour de l'agachon réellement sur le denti, c'est surtout, je dirais, entre une dizaine de mètres et 13-14 mètres. C'est là où c'est le plus confortable pour moi. Pour moi, le denti, c'est un poisson que je chasse, mais au même titre que quand j'ai l'occasion de prendre des rougets, je vais me faire plaisir en prenant des rougets. Si jamais je vois une belle sèche, je prendrai une belle sèche, voilà. J'ai pas réellement d'attrait particulier pour le denti par rapport à d'autres poissons. Maintenant, par contre, c'est une chasse qui est intéressante, voilà. Bon, c'est de l'agachon, c'est un poisson qu'on peut faire venir. Il y a une certaine proximité avec le poisson. D'autres poissons, parfois, on a plus l'impression d'être un peu spectateur. Ils viennent ou ils viennent pas. Par contre, le denti, voilà, on arrive même à jouer un peu avec. Ils viennent, ils repartent. Donc pour moi, voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. Mais j'ai autant de plaisir à aller chasser une dorade, un loup, qu'un denti. Donc là, on est début avril, donc l'eau commence un peu à se réchauffer. On a une eau qui est relativement chargée pour la zone, donc une profondeur d'une dizaine de mètres. Donc c'est une sortie, il n'y avait pas beaucoup de poissons. C'est d'ailleurs le seul poisson que j'ai pu croiser de la sortie.
Donc tu vois, je commence à le voir au bout d'une trentaine de secondes au fond. Donc il arrive, c'est un poisson qui est arrivé assez rapidement finalement. J'ai dû juste faire peut-être un appel au début pour le décider un peu. Donc voilà, c'est un poisson qui arrive assez tranquillement, qui prend son temps. C'est pas forcément un poisson en chasse, c'est plus un poisson qui vient voir, qui est assez curieux. Je dirais que ça, c'est le comportement typique qu'on a durant l'hiver ou en sortie d'hiver. C'est du poisson que tu vas voir une fois, qui va venir assez facilement. Mais par contre, si tu rates cette occasion, généralement, tu le revois plus. Il part tranquillement, tu peux faire ce que tu veux, tu le revois plus. Donc voilà, c'est un poisson qui se laisse approcher, qui vient même assez franchement. Le tir est assez facile. Par contre, ce n'est pas un poisson qu'on va avoir l'occasion de revoir plusieurs fois dans la sortie. Donc voilà, il faut arriver à saisir l'opportunité dès qu'on l'a. Le denti, il est sensible à la manière dont on va se poster, à notre attitude au fond, à la présence de bateaux en surface, s'il y a du bruit. Mais sinon, je trouve que le denti a un comportement assez similaire, que ce soit dans 5, voire dans 15 mètres. Voilà. Seulement, c'est plus l'opportunité des rencontres. Il y a plus de denti quand on descend, donc on aura forcément plus de chances d'en croiser. Ma zone de chasse, c'est essentiellement les Alpes-Maritimes. Ça part du Cap Ferrat et ça va jusqu'aux îles de l'Hérens, le Cap d'Antibes, Golfe Juan, la baie de Golfe Juan. Et je vais assez régulièrement dans l'Estérel aussi, chez nos amis varois. Plus on va du côté italien, plus ça descend de manière abrupte. Plus on s'approche de l'Estérel, et de Saint-Tropez, plus ça devient de plus en plus plat et donc peut-être plus propice à la rencontre de plus de poissons. Je chasse depuis l'an 2000. Mes premiers denti, je les ai pris deux, trois ans après avoir commencé à chasser. Ma zone de confort de chasse, c'est à peu près la bande entre 0 et 25 mètres, surtout en été. En hiver, je chasse plutôt entre 0 et 15. Le denti, je vais le chercher sur ces zones-là, en fonction de la saison, en fonction de la thermocline, en fonction des courants, évidemment, donc des conditions. Je fais des sorties d'environ 3-4 heures en fin de journée, où je fais à peu près peut-être une trentaine de descentes, puisque je reste 3 bonnes minutes en surface pour me relaxer, et je reste entre 2 minutes et 2 minutes 30 au fond. Le denti, je le vois souvent quand même en début de... quand on vient d'arriver, parce qu'il est assez curieux. Donc dès qu'il entend les petits bruits, il vient de suite voir au loin ce qui se passe. On ne le voit pas forcément de suite, mais on voit la réaction des petits poissons. Voilà, donc c'est comme ça que je vois qu'il peut être là, et c'est comme ça que je vais me préparer psychologiquement à une éventuelle rencontre, à un éventuel tir. On le voit surtout... soit au-dessus de la thermocline, il vient chasser les petits poissons qui sont là, soit, je pense, 10-15 mètres plus bas. Donc en fonction de ses capacités du jour et de ses capacités habituelles, on va se placer plus ou moins profond pour aller le chercher. Ensuite, le denti, c'est un prédateur. Le prédateur, ça aime le courant. Je le chasse toujours, je recherche toujours le courant et je le chasse toujours face au courant. Voilà, il va se mettre du côté où il y a les petits poissons. Il faut rechercher les petits poissons, il faut rechercher ses proies. C'est là qu'on va le trouver. Le denti, c'est un poisson qui est relativement intelligent, ça reste un prédateur. Un des exemples de son intelligence, c'est lorsque vous voulez l'approcher, il reste toujours à distance, il observe, comme le fait un grand requin blanc ou un autre grand prédateur de la mer, il observe avant de venir s'attaquer ou de venir s'approcher de ce qui suscite sa curiosité. Donc effectivement, c'est un poisson qui s'adapte et qui peut s'adapter aux pêcheurs sous-marins. Et donc par là, on peut dire en conséquence que c'est un poisson intelligent. J'en vois beaucoup. Le pourcentage de denti que je prends par rapport à ceux que je vois est plus que réduit. Il est, je pense, inférieur à 1%, puisque je prends environ 5 à 10 poissons par an.
Le denti, ça reste un poisson de l'été, on l'appelle le poisson de l'été hein, par excellence, comme la sériole d'ailleurs. C'est vrai qu'on en voit beaucoup plus en été, c'est pas forcément la saison où c'est le plus facile à prendre. On commence à en voir déjà autour de sa période de reproduction, vers mars-avril, et souvent on les voit à ce moment-là en individu isolé, et il est parfois plus facile à prendre et moins profond. En été, ça reste plus une chasse pour les chasseurs plus profonds et plus difficiles et peut-être plus sans banc. Et ensuite, on a un deuxième pic qui est en octobre-novembre, où là aussi, on peut le revoir dans moins d'eau et peut-être plus facile à récupérer pour les pêcheurs et les chasseurs qui restent dans la bande des 0 aux 20 mètres. Pour moi, la meilleure saison, c'est surtout la période où il y a le moins de bateaux, le moins de monde sur l'eau. Donc on va dire, dès que l'eau commence à se réchauffer, donc à partir de fin février, début mars, jusqu'à mi-mai, début juin, c'est une période qui est très intéressante. Il y a l'eau qui remonte en température. Sinon, un peu hors saison, à partir de mi-septembre, fin septembre, jusqu'à la fin de l'année, on peut trouver du denti. En mai, il y a le frais, donc avril, on commence à avoir un petit peu du poisson qui remonte. Et quand la thermocline arrive, comme c'est le cas actuellement, la couche d'eau chaude s'épaissit et le denti reste vraiment quasiment à la jonction entre ces deux masses. Et c'est là qu'on les retrouve. Plus on va profond, plus on pourra en voir régulièrement et peut-être plus étalé sur l'année. Dans peu d'eau, ça correspond à des périodes assez courtes sur l'année. Des horaires parfois dans la journée aussi qui sont assez courts. Donc je dirais voilà, on peut le pêcher dans peu d'eau, mais les rencontres vont être beaucoup plus rares que pour des chasseurs qui peuvent évoluer plus profond. J'ai appris que quand il veut pas venir, il vient pas. Voilà. Ça sert à rien de prolonger les apnées, d'aller se mettre en danger, de descendre 10 mètres plus profond. Quand il a pas envie de venir, il viendra pas. Maintenant, les jours où il a envie de venir, il n'y a pas forcément l'obligation de rester longtemps. Je dirais que choisir un bon poste, être assez discret, on arrive à faire venir le poisson, tout simplement. C'est vrai que j'utilise une arbalète assez simple, hein, c'est un simple sans dos comme on pouvait en utiliser il y a encore 10 ou 15 ans. En fait, j'aime bien surtout c'est l'approche du poisson, voilà, faire venir des poissons à 2, 3 mètres, voire même plus près. Et dans ces conditions, avec une arbalète assez simple, on peut prendre tous les poissons sur les côtes de France. Voilà. Que ce soit du denti, de la sériole, tous ces poissons sont prenables avec une simple arbalète. Maintenant, l'approche du poisson, ça demande généralement un peu plus de temps. On achète facilement une arbalète plus puissante, mais arriver à gagner un mètre ou deux sur l'approche du poisson, ça peut prendre des fois 2, 3, voire 4 ans. Voilà. 6, 7, 8 mètres de visi, pour moi, c'est l'idéal pour pêcher le denti. Si en plus, on a une thermo qui est assez haute, donc je dirais qu'on a les deux conditions qui sont réunies pour avoir toutes les chances d'en rencontrer. Maintenant, ça n'empêche pas d'en trouver hors saison, même quand l'eau est froide, ça arrive en plein hiver de rencontrer un joli denti. Mais je dirais que voilà la période où on va retrouver de l'eau chargée et une eau qui est un peu plus montée en température, c'est pour moi les deux facteurs clés pour rencontrer le poisson. Dans des petits fonds, là il doit y avoir 6 ou 7 mètres maximum. Toujours, tu vois, une eau qui est assez chargée. Un poisson qui arrive pareil, assez tranquillement, qui prend un peu le temps d'observer. Bon, le tir est assez facile. Donc voilà, c'est toujours typique de cette période. C'est-à-dire que c'est souvent du poisson solitaire qui est assez curieux. Mais voilà, il vient une fois, tu vois, là, c'était la première occasion de tir de la sortie. Donc voilà, j'ai pu faire le poisson. Mais ça, c'est du poisson, voilà. Si tu rates l'occasion de tir, tu peux être sûr que tu ne le retrouves pas. Sur cette deuxième descente que je fais sur ce coin, par rapport à la première descente que j'ai fait quelques minutes avant, je m'étais mal positionné, je ne savais pas comment était le courant au fond.
Il n'y en a pas trop. Hein. Mais du coin de l'œil, j'avais vu que les dentilles étaient positionnées plus sur la gauche. Donc là, ben, après ma ventilation, je descends sur la bonne pierre. Je me mets sur l'eau de la petite arête. Et voilà, donc là, on voit cette algue qui prolifère un peu en début de saison, puis qui disparaît un petit peu après, à peu près aux premières chaleurs. Là, je suis au niveau de la thermo. Donc les dentilles, ils tournent, voilà, on voit la pierre là-bas, ils sont à peu près dans ce secteur-là. Alors, on les voit pas bien, mais il y en a quelques-uns très loin. J'essaye de pas bouger, je fais pas de bruit en fait, j'essaye de voir s'ils sont curieux ce matin ou s'il va falloir que je ruse un peu plus. Et là, voilà, j'en vois un qui commence à montrer des signes de curiosité, on le voit monter. Bon, je vois tout de suite que c'est pas un gros poisson, j'en ai vu des plus gros derrière, il doit faire un peu moins de 2 kilos. Là, il est à portée de tir, je laisse. Il n'y a pas la peine d'affoler le banc, surtout pour prendre un poisson plus petit que ce qu'il y a derrière. On ne sait jamais, on va tenter. Comme je suis bien, je vais attendre encore un petit peu. Ça fait 1 minute 15, 1 minute 30, là que je suis en bas, donc j'ai de la marge. Je le vois partir. Mais je vois aussi qu'il y a encore d'autres qui se montrent un peu plus curieux. Donc voilà, je reste un petit peu. Et là, il y en a un qui vient. Et lui, il a l'air décidé de savoir qui je suis. Et voilà, j'attends le dernier moment. Voilà, je le prends bien, vraiment une partie vitale. Hein, et puis, il n'y a pas de combat, il est séché. Voilà, donc je remonte tranquillement, pas besoin de lâcher le moulinet, ni il s'accroche, ni quoi que ce soit, il se débat plus, c'est fini là, il a été très bien tiré. Donc je le prends tranquillement, je palme, je suis à l'aise, donc je me laisse aller. Quoi. Voilà, c'est toujours un peu des moments qu'on apprécie. Quoi. Le poisson, on est sûr qu'il est fait. Le poisson, à mon avis, le plus difficile à prendre. Où il faut quand même une technique et c'est un poisson, je pense, il faut une certaine maturité de chasseur. Parce que c'est des poissons que je ne rencontrais pas au début. Et finalement, avec l'expérience, j'ai trouvé des coins. J'ai réussi à les voir dans un premier temps. Et après, bah, j'ai réussi à les attraper. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même une bonne condition physique. Il faut connaître bien le coin. Voilà, il faut un peu de pratique. Le denti, je le pêche le matin. C'est les conditions idéales où le secteur s'est reposé toute la nuit. Contrairement au soir, on a du thermique où ça bouge. Le matin, c'est parfait. Je pense que les poissons, ils vont s'habituer d'une certaine manière à la présence de, par exemple, de chasseurs sur une certaine zone. Et je pense que dès que les zones arrivent à reposer un peu, on retrouve des poissons assez faciles à faire. Voilà. Si tu arrives le matin de bonne heure, tu peux trouver des poissons voilà, qui ont vu encore personne de toute la nuit, qui peuvent être assez faciles à faire. Mais le même poisson à midi ou à 14 heures, ben, tu le verras peut-être même pas. La pêche de denti, c'est d'abord une bonne préparation en surface. Ensuite, c'est un canard silencieux, une coulée avec un peu de palmage et après, voilà, et on essaye de se laisser glisser le plus tôt possible et arriver sans bruit. Quand on connaît la zone, c'est d'autant plus facile, on sait à peu près où on va se positionner. Une fois qu'on est positionné, encore faut-il être bien placé par rapport au courant, il ne faut plus bouger. Moi, je ne bouge plus. Il n'y a pas de bruit, bulle, etc. Je ne fais rien du tout. Le denti étant sur son territoire, il vous a vu bien avant l'inverse. Donc, je suis dans l'attente. Si tout va bien, il va venir vers moi. Et à ce moment-là, je positionne mon arbalète le plus tôt possible dans sa direction, surtout quand il vient vers moi, parce que je préfère qu'il ait en vision le point d'une flèche plutôt que la longueur d'un tube. Et je le suis. Et à partir du moment où je sens qu'il m'a reconnu, qu'il va tourner, là, je tiens. Une fois que je descends, je palme le moins possible. Je fais le moins de bruit possible et je vais rejoindre à l'Indienne avec un petit trajet sous-marin au fond, mon poste d'agachon, et je vais me poser en face des petits poissons et de l'endroit d'où pourrait arriver le poisson. Je me tapis et j'attends. Je tourne le moins possible la tête, c'est surtout les yeux qui bougent, et j'observe énormément le comportement de la mange, des petits poissons. C'est vers là que je vais tourner mon fusil. Parce que dans la région, c'est pas comme en Corse, le denti, il a tendance à faire un passage et un passage unique. Si vous loupez ce passage-là, vous n'aurez pas d'occasion. Et des occasions dans la saison, il n'y en a pas beaucoup. Lorsque je suis à l'agachon, que le denti arrive, qu'il a écarté mon rideau de manche,
je vais tirer au moment où il va se placer trois quarts avant. Dès qu'il est, on va dire, entre 3 et 5 mètres, vu la portée de mon fusil, dès qu'il va se mettre de 3 quarts avant, c'est un poisson qui est très rapide, qui va faire un demi-tour sur lui-même, il va envoyer sa queue comme ça. Donc si vous tirez en face de 3 quarts avant, vous allez l'avoir en plein milieu le temps que la flèche arrive. Et ensuite, il a généralement une réaction violente. Je le laisse partir. Je le bride un petit peu, tout en laissant mon fil coulisser. Je mets pas d'à-coups fort parce qu'il peut se déchirer assez facilement. Je le laisse et au bout de 15-20 secondes, il va perdre sa force. Il va se caler quelque part dans un trou dans la Posidonie. On le récupérera sur une deuxième remontée s'il faut. Je pêche essentiellement en fin d'après-midi et le soir, en début de soirée, quoi, avant le coucher du soleil, parce que je pense que c'est un moment propice, au moment où la lumière tombe pour le denti. Et là, comme on peut voir, dès que je me pose, il y a une flopée de denti qui viennent me saluer. On a une bonne quarantaine ou une bonne cinquantaine de denti qui doivent être évalués entre 2,5 kg et 7-8 kg qui sont en face de moi. Plusieurs viennent à distance de tir. Je ne tire pas celui-là, par exemple. Je préfère attendre parce que j'ai vu qu'il y a vraiment des denti de 7-8 kg qui sont derrière et je sais qu'après un premier tir, je ne suis pas sûr de pouvoir en tirer d'autres. Donc là, c'est vraiment le défilé. Hein. On voit que la manche part dans tous les sens. Il y a vraiment des denti dans tous les sens. Voilà, il y a celui-là que j'ai commencé à viser qui doit bien faire entre 5 et 6 kilos. Et ensuite, on va voir apparaître sur ma gauche deux énormes denti et c'est là que je vais essayer de choisir l'un des deux. Donc on les laisse approcher, je choisis le plus gros. Nos trois chasseurs utilisent des armes bien différentes pour la chasse du denti. Bastien est resté fidèle à l'arbalète traditionnelle, alors que Mika et Jean-Baptiste ont adopté deux armes technologiquement plus évoluées. À première vue, elles sont différentes en volume et différentes par le mode de propulsion de la flèche. Mais quels sont les avantages objectifs de l'une et de l'autre? Précision, portée, facilité d'armement? Mika et Jean-Baptiste vont nous en dire un peu plus. Mais une chose est certaine, la chasse sous-marine est un sport complet qui fait travailler les jambes et les bras. C'est ce qu'on appelle un fusil roller, un système roller. Donc celui-là, c'est un fusil qui a en tête de fusil des poulies qui permettent de décupler la force des sangs d'eau et d'absorber l'énergie sur la partie inférieure au moment du tir. Les flèches habituelles sont de 6 mm ou de 6,5. Là, il s'agit d'une 7,5. On peut prendre même une 8 mm. Donc vous allez avoir une plus grande portée, une plus grande précision, même s'il y a un temps d'adaptation, puisque la visée n'est pas la même qu'avec un fusil classique avec une tête où on a tendance à viser avec la tête. Là, on vise un peu comme un fusil pneumatique, d'ailleurs, donc plus avec un alignement complet du fusil et l'alignement du poisson, et pas au-dessus. Et moi, j'utilise une arbalète pneumatique longue, c'est puissant. Et l'avantage, c'est qu'à une grande profondeur, on n'a pas de perte de puissance. Donc on peut faire des tirs assez lointains. 4, 5 mètres. Après, il ne faut pas croire qu'on est capable de tirer un poisson à 6, 8 ou 10 mètres, parce que même si on arriverait à envoyer la flèche, le poisson bouge. Mais là encore, on a gagné un petit peu sur le denti avec l'arbalète pneumatique. Avant, j'avais une arbalète à 100 dos, effectivement, en bois, qui pouvait supporter 300 dos, une arbalète longue. Et le problème de ces grosses arbalètes, c'est la maniabilité. On a des déplacements horizontaux qui sont très compliqués, et même verticaux. Là, on a un tube de 40, pas de 100 dos qui bouge. On peut suivre le poisson facilement et tirer. Et voilà, donc le gros denti solitaire qui arrive de face. Malheureusement, il tourne assez loin, il doit bien être à 5 mètres de moi.
Et j'ai tiré un peu tardivement, hein. J'ai tiré même une bonne demi-seconde trop tard. Il était déjà de profil, il faut le tirer vraiment trois quarts avant, surtout quand il va très vite comme ça. Hein. Voilà, donc là, c'est aucun rapport avec le matériel, hein. La faute du chasseur, comme très souvent. Je redescends et là, comme ça peut arriver en Corse, hein, les Denti reviennent. Sauf que seuls les petits sont venus, là les gros restaient au loin, comme on peut le voir, hein, ils restent sur la pierre au loin, sur la pierre habituelle. Hein. Il y a deux pierres sur les calinages qui doivent être sur 25-30 mètres et moi je me place sur le sommet des secs au-dessus. Donc ensuite j'en ai un de 2,5 kg qui va s'approcher. Et... Donc on a toujours le banc. Hein. Toujours le banc, ils étaient moins nombreux quand même cette fois. Voilà, donc là j'ai dû épargner celui de 4 kg, il était vraiment trop loin. Et celui de 2,5 kg, il est sur la flèche. Et évidemment, il allait se caler à la base du sec sur une trentaine de mètres. Une pêche sur un tombant. Donc tu peux voir, je me suis approché assez doucement de la bordure de tombant. On est dans, on va dire, 7 à 8 mètres de fond. Donc là, le poisson, c'est un peu différent. C'est un poisson, je dirais, qui navigue un peu sur la paroi du tombant. On ne le fait pas vraiment venir. C'est du poisson qui passe parfois 4-5 mètres en dessous, voilà, qui fait des allers-retours de gauche à droite. Donc là, tu vois, je reste un petit moment sur le dessus. Au début, je ne vois pas grand-chose, il y a quand même une eau qui est assez chargée. Et j'ai du poisson, voilà, j'ai 4-5 poissons qui vont venir par la droite, doucement. Tu vois, ce n'est pas du poisson qui vient franchement voir, il reste de profil. Donc je tends, voilà, je tends juste le bras pour tirer. C'est finalement bon, un tir qui est assez facile. Mais par contre, ça demande une certaine finesse dans l'approche. Si tu approches trop rapidement le bord du tombant, même si tu passes devant, si le poisson te voit, c'est fini. Hein. Même s'il était là toute la nuit, tu as le poisson qui va gicler, tu ne le revois plus. Donc voilà, ça, c'est généralement une configuration où tu arrives en début de matinée, où le poisson n'a pas encore été dérangé, tu peux le trouver dans peu d'eau. Et voilà, c'est souvent, je dirais, le tir de la matinée. Voilà. Après, un poste comme ça, tu peux être sûr qu'il n'y a plus de poissons pour les 2-3 prochaines heures. J'ai la bordure d'un tombant qui est une dizaine de mètres devant moi. Et là, j'ai un beau denti qui vient de passer sur ma gauche. Donc, il m'a clairement pas vu. Pour le moment, il stationne au loin devant. J'arrive à faire un petit appel. Donc là, on va voir, voilà, il s'approche doucement. Voilà, il s'approche, je prends mon temps pour le tirer, voilà, j'attends qu'il tourne tranquillement. Donc c'était bon, une action assez simple, mais là on est quand même dans peu d'eau. Donc là c'est assez particulier, quand la thermo est comme ça, il faut arriver à trouver des postes qui sont légèrement au-dessus de la thermo. Là si on se trouve 3-4 mètres en dessous de la thermo, dans le froid, on peut être sûr que ce genre de poisson, on ne va pas le voir. Donc là pareil, je suis sur un plateau sur environ 6 ou 7 mètres, donc il y a toujours la thermo qui est placée au même endroit. Donc ce qui est assez particulier, c'est que là, c'est une période où il y avait des gros rassemblements de mulets qui venaient frayer. Et derrière ces gros rassemblements de mulets, on avait souvent deux ou trois beaux prédateurs. Et ce qui est assez marrant, c'est que là, c'était des denti. Donc ils sont restés sur cette zone pendant 3 ou 4 semaines en compagnie des mulets. Et généralement, il y avait le gros banc de mulets qui passait. Et en limite de visée, on pouvait voir un joli denti.
Donc là, c'est un poisson qui a été fait sur une apnée totale de 40 secondes, qui est venu assez rapidement. Et voilà, ça, c'est vraiment du poisson en chasse qui était très curieux et qui venait voilà, dans très peu de fond et toujours en restant juste en limite de thermo. Donc là, on est au mois de février, donc c'est plus normalement une pêche dans l'eau froide, une pêche dans peu d'eau, souvent une pêche de loup. Donc là, je suis en prospection, c'est-à-dire que je suis surtout en train d'essayer de trouver une araignée ou une baudroie. Donc là, je suis pas en fait pour survoler le dessus d'un tombant, donc il y a à peine 7 ou 8 mètres. Et là, avec un peu de chance, même beaucoup de chance, j'ai un denti juste qui sort de la faille au moment où j'arrive en bas. Donc le tir est facile. Par contre, bon, voilà, fallait être assez réactif pour pas rater l'occasion. Donc c'est bon, ça reste des rencontres qui sont relativement rares. Mais je dirais que si on approche les tombants, les failles d'une certaine manière, on a quand même certaines opportunités dans une saison. Et bon, voilà, ce genre d'occasion peut en faire partie. J'aborde une cassure de tombant. Donc comme tu veux voir, l'approche elle doit être assez lente. Il faut faire attention de rien accrocher. Et c'est surtout le moment de la bascule où on passe sur le bord du tombant qui est le plus important. Donc là, on a souvent du poisson qui est en train de nager sur la paroi du tombant. Donc là, comme on peut le voir, dès que je vais basculer, on voit un denti qui est au fond. Et en fait, à peine j'arrive avec le fusil, ben, il commence déjà à monter. Donc bon, le tir est extrêmement facile. Donc on avait un poisson qui nageait entre 12 et 15 mètres. Et dès que j'ai passé la cassure, il m'a vu et il est monté me voir. Alors là, je me pose sur un tombant, en fait. Il y a un peu de coralligène, de madrépore, des algues un peu en retrait. Je me pose vraiment sur la pointe du tombant. C'est vraiment un coin qui est propice au denti en ce début de saison, où il n'y a pas beaucoup d'eau, là, il y a moins de 20 mètres. Donc, c'est un peu la période où on les voit un peu remonter et ils sont en bas. Ça coïncide un peu à la période du frais. Donc, j'ai toujours remarqué que les dentiers en banc n'avaient pas le même comportement. Peut-être qu'il y a une espèce de concurrence et voilà, ça s'approche de plus en plus. Alors ils ont souvent la même taille, c'est des bancs d'individus de même taille. Et c'est très différent d'un comportement d'un solitaire, qui lui va être plus dans un comportement de prédateur qui va venir voir d'un coup. Voilà, je tourne tout doucement le fusil. Il y en a qui commencent à s'approcher, à se montrer un petit peu plus curieux. Voilà, il y a le banc là, quelques individus, une dizaine. Voilà, puis après je positionne le fusil dans leur direction et j'évite de bouger. Ouais. Voilà, ça tourne un petit peu. On a toujours une distance de sécurité au début. Ils veulent pas trop se laisser prendre. Je vois un sar aussi qui vient. Voilà, il y en a un qui monte un peu sur la droite. Hop, j'aurais pu peut-être le tuer. Il repart. Bon, c'est des petites pièces là, donc voilà, il n'y a pas de regret. Et puis voilà, il y a le plus gros là qui vient doucement. Bon là, je vois que voilà, le tir va être réussi parce qu'il est vraiment à 3 mètres de moi. Toujours pareil, il se débat. Là, le danger dans ce tombant, c'est qu'il y a pas mal de madrépores. On accroche souvent la flèche, donc il faut remonter puis redescendre chercher le poisson. J'ai rarement pris un denti à moins de 30 secondes d'apnée. Hein. À partir du moment où vous posez et que vous avez vu, il va quand même un petit peu vous juger, donc il vient pas directement. Je dirais qu'entre 1 minute et 1 minute 30 d'agachon, on a de fortes chances, si le dentier est là, de le récupérer. Là, je suis sur un fond complètement différent. On est sur un plateau 19 mètres, un petit peu de sable, beaucoup de posidonie, qui paye pas de mine, mais en début de saison, avec la thermo vraiment au niveau, l'eau est sale, on les voit arriver vraiment au dernier moment. Mais voilà, on a encore un beau spécimen qui se présente très bien, il arrive de face. Voilà, le tir, il est assez proche, je dirais qu'il est à moins de 3 mètres, donc à peu de chance. Et là, on voit un petit peu le plateau avec un peu moins de végétation, et ça tourne toujours un petit peu par là, quoi.
Après, il suffit voilà, d'éviter qu'il s'en mêle un peu dans le mât de report. Mais là, je le vois, je vois le blanc, donc je sais qu'il va remonter avec moi. Il n'y a pas de souci, c'est un beau poisson aussi. Là. Quand je fais un beau poisson comme ça, je retourne un peu la caméra et pour avoir un souvenir avec la belle luminosité de la surface, j'aime bien faire un plan un petit peu inversé. Voilà, on voit le poisson, c'est vraiment un magnifique poisson avec ses reflets bleus, un peu orangé aussi par moment. Voilà, un denti de début de saison voilà, qui doit faire à peu près 4 kilos. Voilà. Un tombant, c'est des espèces de restantes là où se mélange sable, patate de mât de report, etc., etc. Il y a plusieurs étages et ça descend comme ça presque à l'infini, je dirais. Là, c'est une pêche quand même de plein été profonde parce que c'est un spot qui est à 30 mètres. Donc on est vraiment à cette période où il y a de l'eau chaude profonde. Alors je me pose pareil, j'essaie toujours d'être sur une marche, un petit peu caché comme ça des éventuels prédateurs qui seraient plutôt curieux et qui viendraient me voir. Je filme parce que ce sont des souvenirs, ça me fait plaisir de partager. Et puis j'aime bien montrer quand on mange un poisson, de dire voilà c'est celui-là que j'ai pêché. Maintenant, ça amène aussi beaucoup de contraintes. Il faut la caméra, il faut l'installer, ça freine un peu la mobilité du fusil. Il faut essayer qu'elle soit bien positionnée. C'est pas simple, mais voilà, la récompense, c'est de pouvoir tirer une belle séquence, une belle capture d'un moment voilà, comme ça, un petit peu privilégié, parce que c'est quand même pas souvent qu'on fait des grosses pièces, donc c'est bien de garder ça en mémoire. De coin l'œil, je vois un gros denti qui arrive sur ma droite. Et là, il est décidé, je le vois, il est prêt à en découdre. Il vient tout prêt, en fait, le tir est cuit. Hein. Pour lui, c'est terminé. Je pense que je le tire à moins de 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres. Là, on le voit bien qu'il se débat, c'est toujours pareil. On va essayer d'éviter en mettant un petit peu de tension à ce qu'il se déchire, mais pas trop. Mais le tir est bien, là. Donc, Si la flèche ne se coince pas, je remonte dans la foulée, il n'y a pas de souci. Là, on voit bien où est l'impact de la flèche, vraiment au milieu du corps. Donc, c'est pour ça qu'il a été séché, en fait. Ça a dû toucher vraiment la colonne et bon, voilà, après, il nage plus. On n'a plus qu'à remonter, quoi. Bon, j'ai retrouvé cette patate de mât de report. En fait, il y en a une deuxième un peu plus loin. Et je me laisse couler, l'eau est assez claire, je ne sais pas si je vais rencontrer quelque chose. Et là, de suite, au moment où je vais me poser, je vois du coin de l'œil, bon, il y a quelques sars, le banc d'anti qui est là. Je me suis dit, oh là là, ça y est, c'est bon, là, c'est peut-être le bon jour. Et il y en a un bon paquet, bon, c'est des poissons qui sont entre 2 et 3 kilos, c'est tous calibrés pareil. C'est vraiment début de saison, je suis à 20 mètres, il y a pile poil la thermo. Donc là, les conditions sont réunies. Et je vois qu'il s'approche, en plus, pas très méfiant. Ça tourne, ça vire. Bon, à savoir si je vais pouvoir faire un tir. Donc voilà, j'hésite un petit peu, mais il y en a une quantité que j'ai rarement vue, en fait. Donc je suis vraiment émerveillé. Puis à un moment, il y en a un quand même qui s'approche un peu plus. Et là, je me dis, là, il faut faire un tir propre. Et là, on le voit, c'est celui-là. Voilà, c'est pris. Il est bien fléché, même s'il se débat. À part coincer la flèche, il ne se décrochera pas. Peut-être qu'il faudra que je redescende un petit peu après. J'ouvre le moulinet et puis je laisse un peu filer. Mais finalement, en fait, il est dans une touffe d'algues. Et voilà, je vois qu'il se décroche. Comme l'eau est très claire, je vois qu'il monte avec moi. Donc, Non, c'est bon. Prends les amers, il y a 150 dentilles là. Donc c'est un poisson, c'est un beau poisson qui fait pas loin des 3 kilos. Il y a 150 dentilles, donne-moi ton fusil, j'en tire un autre. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de redescendre. Je me dis, si j'arrive à en faire un deuxième, là, ça sera vraiment une très bonne matinée. Dans l'excitation, je me dis, il faut absolument que je retourne voir si les dentilles sont encore là. Alors je descends plus pour peut-être le plaisir de les voir de loin que d'en faire un autre. Parce que quand on prend un poisson sur une zone un peu comme ça avec de l'eau claire,
Bon, généralement, il n'y a plus personne après. Mais je me suis dit, bon, je vais comme ça, ça me permet de bien repérer un peu le coin. Et je regarde un peu partout. Et là, à peine je me pose, je vois qu'en fait, le banc s'est un peu décalé sur la gauche, mais il est toujours présent. Donc là, il était sur la, un peu plus à droite. Là, maintenant, il est là devant moi. Pareil, une espèce de compétition. Et je le vois qui s'approche. Ah, je me dis, oh, c'est pas quand même, je vais quand même pas en faire un deuxième. Et là, franchement, je vois tout de suite qu'il y a certains qui sont quand même très curieux. Et là, voilà, il approche. Je fais un tir parfait. Hein. Voilà, c'est plus de la chance de le tuer net comme ça. Mais c'est étonnant d'avoir pu prendre un poisson 10 minutes avant et d'être descendu quasiment sur le même secteur. Ça n'arrive jamais, surtout avec les dentis maintenant très méfiants. On a plus les concentrations dentis que j'ai connues quand j'ai commencé à les voir entre 2006 et 2009, où vraiment, je voyais des bancs énormes. Pas forcément des très gros individus, que je rencontre plutôt parfois solitaires, mais il y avait des bancs entiers, de 40, 50 poissons. Et là, malheureusement, c'est bien difficile d'en voir autant. Donc oui, en fonction des années, ce qu'on peut voir assez facilement, c'est que là, je suis sur la période de l'année 2007, entre mai et octobre, je dois avoir 25-30 séquences sur les dentis. Alors je dirais qu'en ce moment, sur une période identique de 5 à 6 mois, si je croise un ou deux poissons sur les mêmes zones, c'est déjà une belle chose. Donc, essentiellement, on était sur du petit poisson, du poisson qui faisait entre 1 et 2 kilos, mais qui était effectivement très présent. Sur les plateaux, on voyait beaucoup, on avait des belles concentrations de poissons. Et c'est surtout ce poisson, les bancs de petits, entre 1,5 kg et 2 kg, que je trouve qu'on voit vraiment beaucoup moins. Depuis le début des années 2000, il est incontestable que le denti a payé un lourd tribut à cause de l'engouement qu'il suscite chez les pêcheurs loisirs. Mais pour autant, ce constat suffit-il à expliquer la diminution de sa densité? Probablement pas, car sur la Côte d'Azur, comme ailleurs, les populations de dentis connaissent des cycles d'expansion-récession sans qu'on sache encore en comprendre toutes les raisons. Le denti est-il un poisson plus intelligent que les autres? Je ne le pense pas, car s'il a su s'adapter à la menace du chasseur en se tenant plus profond et plus loin de l'arbalète, il se fait encore prendre par ceux qui savent attiser sa curiosité ou abaisser sa méfiance naturelle. Que peut-on retenir de toutes ces expériences? Le comportement du denti, en présence du chasseur, varie sensiblement en fonction de la saison, mais plus encore, semble-t-il, en fonction de son activité du moment. Il semble plus vulnérable quand il chasse ou quand il fraie. Ses activités vitales tendent à abaisser son niveau de méfiance. Au contraire, au repos, c'est-à-dire une grande partie de la journée, il paraît inatteignable, quelle que soit la ruse ou la technique employée. On peut le rencontrer par hasard, mais c'est sur la recherche des bons postes que doit se concentrer le chasseur avant de pouvoir en prendre régulièrement. Comme toujours, c'est la connaissance et l'expérience du poisson qui font la différence. On comprend mieux pourquoi certains lui vouent cette passion exclusive.